Bonjour, ici iPod Touch as a Pro et je vais vous montrer comment réparer le problème de Custom Freedom ici. Quand vous faites Create Firmware, puis là il fait 1%, 2%, puis quand il est rendu à 100%, ça vous met un message d'erreur comme quoi erreur to copying file to desktop, puis il vous met un accès au fichier. Puis là vous voyez rien, vous voyez pas de Custom Firmware sur votre bureau. Alors je vais vous montrer comment réparer ce problème parce qu'il y en a plusieurs qui ont ce problème-là, qui peuvent pas aller le chercher parce qu'il n'est pas sur son bureau, donc vous pouvez pas faire la restauration. Alors, ce que vous devez faire est simple, laissez Quick Freedom ouvert parce que moi j'ai pas eu le problème, alors je peux pas vous le montrer comment, qu'est-ce que ça fait. Alors, faites juste OK, OK, puis avant de faire Next dans Quick Freedom, ouvrez Poste de travail. On va aller chercher le Custom Firmware. Alors, ouvrez Poste de travail, allez dans votre lecteur C. Sur Vista, c'est disque local C. Alors, lecteur C. Là, vous allez aller dans Programs, Programme au pluriel quand c'est sur Windows Vista. Sur Windows XP, ça va être Program Files. Alors, vous allez cliquer là-dessus. Program Files ou Programme. Là, vous descendez plus bas jusque dans les Q pour Quick Freedom. Alors, on ouvre le dossier Quick Freedom. Quick Freedom, il est là. Alors, on ouvre ce dossier-là. Double-clic dessus. On s'en va dans Files, F-I-L-E-S, et là on s'en va dans Expand, X-P-W-N, double-clic dessus, et là vous devriez voir ici Custom 221 ou Custom 211, je m'en rappelle plus trop, en tout cas moi c'est marqué Custom 211, faut pas que ça soit Original 211, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Original 211, juste Custom 211 ou 221, un de ces deux-là. Alors on va faire ça. Puis vous allez le glisser sur votre bureau ou juste le copier. Moi, je vais le glisser. Alors, je laisse mon doigt dessus et je le glisse sur le bureau. Et voilà, il a copié. Il a disparu du dossier et il a copié sur le bureau. Puis là, on va le renommer. Alors, ben, on peut fermer maintenant le Quick Freedom, le dossier. On le renomme. Doigt de la souris, renommer. Oups, j'ai fait supprimer. Renommer. Et là, on le renomme pour Custom Firmware. Alors, C majuscule, c'est comme c'est écrit en haut de l'écran. C majuscule, U, S, T, O, M, espace, F majuscule, I, R, N, W, A, R, E. Puis là, vous faites Enter, ou Entrée. Et là, par la suite, vous ouvrez iTunes et vous pouvez faire la restauration avec Custom Firmware et ça devrait fonctionner. Là, pour d'autres personnes qui ont des problèmes avec iTunes, lors de la restauration, si vous avez des problèmes, c'est-à-dire, admettons, on pouvait pas restaurer à message d'erreur 1 ou restauration pas fonctionné, 1601, 1604, l'erreur, etc. Si vous avez des erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est recommencer du début, les étapes. Alors, vous recommencez, vous remettez votre iPod Touch deuxième génération en DFU mode, même si c'est déjà fermé. Alors, 2 secondes en bas, 10 secondes en haut, puis on lâche celui du haut après 10 secondes, on maintient le bas. Puis là, par la suite, on fait la restauration, on recommence avec Quick Freedom. Alors, vous allez réouvrir Quick Freedom et vous allez recommencer du début. Puis là, si la restauration encore a fait une autre erreur, vous devez changer de port USB sur votre ordinateur. Alors, moi, en ce moment, admettons, j'ai deux ports USB, je le branche dans l'autre à côté et je recommence du début en le remettant en DFU mode. C'est vraiment important ces étapes-là. Alors, c'est ça. C'était pas mal ça. C'est changer de port USB. Puis si le problème continue, mais changer tout simplement d'ordinateur pour commencer parce que c'est peut-être votre ordinateur qui accepte pas, mais qu'il y a des conflits avec la restauration du iPod Touch deuxième génération. Alors c'est ça, c'était pour savoir comment réparer quelques bugs avec l'application Quick Freedom pour jailbreaker son iPod Touch deuxième génération firmware 2.2.1 untethered. Ça veut dire pas besoin d'ordinateur pour redémarrer son iPod Touch. Alors c'est ça, visitez le site internet iPodTouchesApro.com.